Hey, c'est les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dans le gros stade de foot. On va essayer de ne pas perdre le ballon. Aujourd'hui je vais vous montrer mon talent de footballeur dans cette petite cage de foot. Alors déjà, sauter la barrière. Hop. Putain. Ça va, je suis pas tombé. C'est un stade synthétique. Bon, je dis, hein, je suis une brêle au foot. Hein. Moi j'aime bien de temps en temps taper des petites lucarnes comme ça là. J'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Alors je vais commenter un petit peu. J'ai galéré un petit peu pour faire le montage, hein. Je fais un petit débrief là, je suis chez moi. C'est ultra long de faire le montage, j'ai enregistré quasiment 2 heures. 2 heures, au final là, j'en suis à 2 minutes. 2 minutes de montage. J'ai mis 1h30 pour faire ces 2 minutes, donc j'espère qu'elles vous plaisent. Et du coup, ouais, je voulais revenir face à cette réaction là que vous venez de voir. En fait, voilà, je suis quelqu'un qui a des objectifs et quand j'en ai un, je voulais faire un beau but. Et c'était mon dernier tir, parce qu'on fait des sessions avec mon frère de 20 tirs chacun, c'était mon dernier tir. Et c'est un magnifique but parce que la balle, c'est lui qui me la renvoie, elle n'est pas statique et je la claque de façon plongeante, je sais pas comment dire. Puis elle tape, elle rase la barre et elle rase le filet et je lobe le gardien. Et ça, franchement, je kiffe. Et là, je vais vous montrer... un épisode qui est un petit peu moins drôle. Alors là, un très beau but de mon frère qui rase la lucarne. Et là, voilà, là c'est vraiment moins drôle parce que là, je me fais mal au poignet. Comme vous pouvez le voir, ma réaction elle est assez équivoque. Hein. Je me fais vraiment, vraiment mal au poignet. Alors, faut savoir que je me suis fait opérer ce poignet l'année dernière. J'ai encore des séquelles, j'en aurai à vie au niveau. Et voilà, là, je viens de me faire mal au poignet. Alors, rassurez-vous, après ça allait mieux. C'était rien de grave. C'était juste sur le coup. Bon, actuellement j'ai encore un petit peu mal. Voilà, c'était vraiment sur le coup. J'ai entendu crack, j'ai vraiment eu peur de me l'être cassé. Je vous le dis sincèrement, j'ai pas fait le malin. Puis voilà, je me suis repris, j'ai regardé, je l'ai essayé. Bon, j'ai encore mal un petit peu, mais bon, ça va, c'est normal. Ça, c'est les séquelles de l'opération, quoi. Je vous expliquerai un jour comment je m'étais cassé, peut-être, on verra. Du coup, voilà, là ça va mieux. Et puis là, voilà, je me réétire et c'est bon, je vais pouvoir nous refaire quelques magnifiques arrêts, bien évidemment, et paf. Ah non, elle était au-dessus, mais bon, moi voilà, là je suis en forme, et ça c'est plutôt cool quand même. Hein.
Bon là les gars, je suis super content parce qu'en fait je viens d'enchaîner ces deux magnifiques frappes, les deux à la suite. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'en suis vraiment très content parce que bon, j'ai rasé à chaque fois la bouteille d'eau. Hein. C'est vraiment l'objectif du jour. J'ai rasé à chaque fois mais je suis vraiment très très content d'avoir réussi à deux reprises de suite à raser ça. Et c'est pour ça que ma joueuse s'expulse parce qu'en plus on fait des séries de 20. Et là c'était mon tir en numéro 19 et numéro 20, c'était les deux derniers de la série quoi. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très très content de ces deux tirs. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir cet après-midi à passer du temps avec mon frère et je pense que ça se voit en vidéo et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire partager. Vraiment, au foot, je suis nul. Hein. On a fait peut-être 200 tirs, peut-être pas, peut-être 100, 150. Hein. On a fait qu'une lucarne, même si on a fait de belles choses, on a pris beaucoup de plaisir. Il n'y a pas besoin d'être fort dans un domaine pour prendre du plaisir en le faisant. Donc c'est pour ça que je vous encourage tous vraiment à profiter à fond de ce que vous avez envie, même si vous êtes des brêles, bah profitez, jouez sans vouloir être le meilleur, jouez simplement pour vous amuser, même si je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens qu'il y a une expression qui dit plus important c'est de participer. Moi je suis pas d'accord. Plus important c'est d'avoir fait son maximum pour gagner. Après, à partir du moment où tu as fait ton maximum pour gagner, si tu perds, c'est pas grave. Je sais pas, regardez là, vous avez vu la joie que j'ai eue quand j'ai réussi ma lucarne. C'est une expression, c'est vraiment ce que je recherche dans ces objectifs. Et quand je joue, c'est vraiment ça que je recherche. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait taper du poing. Mais du coup, voilà, c'est vraiment des choses comme ça que je recherche. Même si je suis nul au foot, même si mon frère est pas super bon non plus. Même si, voilà, on a des qualités. Moi, je pense que je suis bien meilleur au gardien. Et mon frère qui est bien meilleur au tir. Du coup, là, au final, ça fait un équilibre. Et je trouve ça vraiment sympathique. J'ai passé une super après-midi. J'en referai. Je sais pas si je vous referai à chaque fois des montages comme ça. Parce que là, le montage, on dirait pas comme ça, mais j'ai passé 2 heures et demie de montage pour les 3 minutes de foot pur, quoi. Pour les 3 minutes de foot qu'il y a eu, hein, voilà, j'ai passé 2 heures et demie. Ça me gêne pas, je l'ai fait avec plaisir, mais mon emploi du temps me permettra pas. Et Laura, je suis désolé. De le faire à chaque fois, en tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir là-dedans. J'ai regardé mon montage, je suis pas super super satisfait. Il y a des petits détails que j'aimerais faire, mais voilà, j'ai pas forcément le temps ni les qualités pour. Mais bon, ça viendra. Je trouve qu'au niveau montage, il y a de l'amélioration au fur et à mesure. J'essaie d'en faire de plus en plus. Clairement, qualité, il faut vraiment que j'investisse dans une GoPro. C'est ce que je vais faire très prochainement. Hein. Ça sera beaucoup mieux pour les prochaines choses. Parce que là, dès que je commence à zoomer avec Camtasia, ça fait des pixels. Mais bon, voilà, c'est du low cost pour l'instant sur cette chaîne. Peut-être qu'un jour qu'on évoluera, peut-être qu'un jour j'aurai des caméramans, des monteurs, je sais pas. Enfin bref, non, je pense pas que j'aurai de caméraman, ça m'intéresse pas. Peut-être un monteur, mais voilà quoi. Je suis vraiment souvent, j'aime vraiment faire les choses par moi-même. Ouais, il pleut mon gars. Bref, du coup, voilà, un gros like, ça me ferait super plaisir. Alors, et dites-moi en commentaire qui était le meilleur, moi ou mon frère. C'est pas une sorte de faire un concours, c'est histoire juste comme ça de faire un petit délire en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura on va se calmer. Vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et une fois de plus, je m'épanouis beaucoup sur cette chaîne. Et je prends beaucoup de plaisir à faire partager tout ça avec vous. Donc voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir en le regardant. Un petit like me ferait plaisir, un petit commentaire et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à très vite pour une nouvelle vidéo.
Non, je vais pas vous spoil le prochain titre, mais il est sympathique. Enfin bref, bisous tout le monde, je vous kiffe.